Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs! On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça! Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des nettes honneurs occupés à trouer le réseau électrique! Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée! Et à Pacifica! Eh bien, Pacifica reste Pacifica! C'était votre ami Stan! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! J'aimerais améliorer mon matos. Ok. Asseyez-vous confortablement et nous pourrons commencer.
besoin d'un charcutoc. On va regarder ça ensemble, d'accord? J'aurais besoin de changer une pièce ou deux. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez?
Cette fois, j'ai besoin que tu rétablisses l'équilibre naturel de cette ville. Un Valentino a descendu un flic et échappé à la justice. Tu peux faire en sorte que ça change. Si tu trouves qui protège ce type, je te donnerai un bonus. Détail en PJ. Donc, vous pouvez jeter un œil à mon chrome? Bien sûr. Je vous en prie, installez-vous. Thank you.
Salut, Claire. Alors, prête pour la prochaine course? Elle va pas être facile. Rallye tout terrain, les balles vont fuser. On va prendre Beast. Je vais la tester sur le terrain. Nova, je suis déjà sur place pour info. Super, je te rejoins tout de suite. Parfait, à plus. Non, non, je l'ai pas. Mais comment tu veux que je le sache? C'est ton problème, pas le mien. Salut V, ça fait plaisir de te revoir. On repart pour une nouvelle course, hein? Ouais, 2 sur 4. Prêt pour du tout-terrain? Alors elle va être dure, cette course? Les Badlands, ça déconne pas. Tout peut arriver dans cette course. Tu vas pas t'ennuyer, du coup? Toi non plus. La moindre erreur et on finit dans le décor. Je vais y arriver. Ok, je vais fondre sous soleil, alors je préfère rester là. Ok. J'ai cru que t'allais encore me planter. Et que Bully allait devoir manier l'artillerie. Bully tire super bien. Mesdames et messieurs, ouais, c'est vrai. Mais il cause tout le temps. Un vrai moulin à parole. Il sait pas la fermer. Ça me déconcentre. 30 secondes avant le départ. Alors la prochaine fois que je te plante pour de vrai, il y a du Chatterton dans le coffre. Luigi aime déconcentrer les gens. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te souhaiter bonne chance. Merci. Thank you.
Merci, B. On a gagné. C'était pas facile. Va jusqu'à la ligne d'arrivée. Ton dernier pilote était meilleur que moi ? Putain de raccourci, cette... Ouais. C'était un bon mari. Et un conducteur hors pair. Ça te dérange pas de me dire comment il est mort ? Comment meurent les pilotes de course, à ton avis ? On est arrivé en finale l'an dernier. On était en tête de la course quand... On devrait peut-être changer de sujet. Ouais. Tu veux que je te dépose au garage ? Ouais, carrément. On y va. Salut, V. À plus tard. À plus, V. Installation d'une mise à jour. Cela peut prendre quelques minutes. Got another drive, sensor.
T'as besoin de parler? Ça sera un peu plus long que ça. Tu peux passer au camp? J'ai un problème. Ok, j'arrive. Oh, merci. Ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire... En plus, c'est quoi le souci? Il vaudrait mieux... Laisse-moi deviner. C'est Saul, c'est ça? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Resteront ici au camp. Harvey, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille. Je crois que cette dispute mène à rien. Allez, quoi. Mettez-y un peu de cœur. Non, le sujet est clos depuis longtemps. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Il croit pas. Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre, un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra-moderne. Le convoi de Militech passera par la 101, juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais, un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Hydrotechnica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok, donc vous voulez agir dans le dos de Saul? Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans deux camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non! Allez, je
Je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va, ça va. J'ai rien dit. En route. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais. Après, on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûr que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvelle amie. V, t'as des questions? Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. Les escaliers. Besoin de lumière? Bravo! Merci! Accélère, allez! Où toutes les voies se retrouvent. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit dessus, on sent... libre. Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Chercher quoi? Des cartes élaborées. Des cartes quoi? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous. Tu peux m'aider à chercher? Pas de soucis. Rien ici. C'est pas ici.
pas ici. Elle doit être quelque part dans le coin. V, regarde bien. Tiens, tiens. J'en ai une. Bien joué. Carole ! On a une carte ! On fait quoi maintenant ? Il faut la mettre dans le lecteur ! Bon, V, la carte ! Dans le lecteur ! Croisons les doigts. Jouer au petit train. V, t'as un moment, faut que je te parle. De quoi tu voulais qu'on parle ? Tu vas trouver ça bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider, mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté ? Parce que c'est important pour toi. Quoi ? C'est tout ? Oh, désolée, Je disais pas ça de manière négative. Écoute, V, je... Désolée, je suis pas très douée pour parler de mes sentiments et du reste. Et j'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Bah, c'est un début. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais avec toi, je préfère pas prendre de risques. Tu ressens aucune pulsion, là ? Dommage. J'espérais le contraire. Si. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. Je préfère qu'on reste proches. Au moins, comme des amis. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. Viens, on va rejoindre les autres. Vous le surveillez, je suppose ? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. Un peu ton cul, ma puce. Et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Il n'y a plus qu'à attendre, alors. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, oh, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, c'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Les rentrées de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts.
Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an. Super, merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre à maman pour arriver jusqu'ici. Ça s'est bien rafraîchi. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi ? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités ? Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon ? Bien sûr ! Tu vois la grande casserole ? Avec la petite étoile qui scintille à droite ? Ouais. Tu la vois ? Oh merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, V. Les voilà, ils arrivent ! Tout le monde est prêt ? On y va, V. Ah! Ils ont pas le temps à suivre nos patrouilles!
anecdote. On peut facilement ranger les taches de sang avec du vinaigre. Paname. C'est deux camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Tapanam, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, ben vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ce camion. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger.
D'accord. Mais on en fait quoi après ? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça, ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Mais... bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attends-toi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Thank you.